Je vous en prie. Alors, que je vous présente. Parfait, tout le monde est installé. Parfait. Claire Pitola, députée de La République En Marche, marraine de L'Air et Moi, association qui travaille à l'élaboration de supports pédagogiques sur la pollution de l'air destinée aux enfants. Ces supports, hein, sauf erreur de ma part. Corinne Touras, elle est ici, directrice régionale de la DREAL, Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. C'est ça ? Anne Claudius Petit, elle est ici, conseillère régionale, conseillère métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence, conseillère d'arrondissement Marseille 6e et 8e, membre du... Vous faites tout ça ? Ah ouais, elle me disait que pour être conseiller métropolitain, il faut aussi... Donc, c'est une condition, ça n'est pas un cumul. Et Fabiana Giovannini, qui vient donc du plus beau pays du monde, conseillère exécutive à l'Assemblée de Corse, présidente de l'Agence d'aménagement durable, d'urbanisme et d'énergie de la Corse. Bien, vous avez toutes les quatre accepté une règle du jeu contraignante. Vous allez parler 6 minutes en vous dirigeant vers ce qui n'est pas un pupitre, mais un manche debout. Et c'est vous qui allez ouvrir le bal, si vous en acceptez l'idée, même si l'image n'est pas tout à fait adaptée, pour nous dire comment vous appréhendez cette question, puisque vous avez pris des fonctions de député il y a peu, vous les avez gagnées d'ailleurs, vous ne les avez pas prises, dans une élection dans le 8e arrondissement notamment. Et donc comment est-ce que vous travaillez à Paris? Est-ce que c'est quelque chose qui vous marque? A priori, ça n'est pas votre terrain de jeu habituel, puisque vous êtes diplômé de super-héros, donc ça se passe plutôt dans l'air, vos compétences, mais dans l'air, il y a de l'air, et donc vous allez aller là-bas et nous parler pendant 6 minutes de cette question de la qualité de l'air liée au port et à l'activité maritime. C'est parti. Claire Pitola, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, président, présidente, directeur, directrice, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, je voudrais commencer par deux chiffres, 100 milliards et 500 000 morts. 100 milliards par an, c'est le coût sanitaire de l'impact de la pollution atmosphérique en France, d'après le rapport du Sénat de 2015. 5 000 morts, c'est l'impact humain de la pollution de l'air en Europe, relevé par l'Agence européenne de l'environnement. Garantir à chacun le droit de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé, c'est l'engagement de notre président et de son gouvernement. Avec, bien entendu, pour figure de proue, le ministère de la Transition écologique et solidaire, qui se trouve actuellement à la COP23 à Bonn. Pour ma part, c'est un engagement que je vis au quotidien, tout comme les habitants de ma circonscription, qui y sont très attentifs. C'est un engagement que je porte ainsi naturellement à l'Assemblée nationale en tant que députée. Enfin, c'est un engagement que je prolonge en tant que marraine de l'association L'Air et Moi. Je suis très attentive aux vertus de l'éducation et de la sensibilisation des plus jeunes. Sensibiliser nos enfants de façon positive aux enjeux climatiques sans culpabilité est déterminant. L'association L'Air et Moi le fait de façon remarquable. J'en profite pour saluer mon collègue, le député Saïd Hamada, qui est aussi très engagé sur ces questions. La pollution atmosphérique est la troisième cause de mortalité après le tabac et l'alcool. L'enjeu est colossal et nous n'avons plus le droit de commettre d'erreurs. Nous ne devons plus opposer écologie et économie. Je suis pour ma part convaincue qu'une approche durable est bien un levier de compétitivité économique. Avec un retour sur investissement certes moins immédiat, mais assurément plus pérenne. Je souhaite plus de clairvoyance en matière de mesure de la performance économique. J'ai à cœur que l'on y intègre les externalités positives ou négatives que l'activité économique génère. Nous participons aujourd'hui à la journée méditerranéenne de l'air. Je suis très sincèrement touchée de pouvoir être avec vous tous aujourd'hui avec des ports, et de l'acteur des ports et de la qualité de l'air. Aussi, je suis impatiente d'entendre les échanges qui permettront, je n'en doute pas, de dresser un tableau lucide des solutions qui s'offrent à nous. À travers les mesures physiques des différents polluants, soufre, particules fines et bien d'autres, par la juste identification des acteurs et de leur champ d'action, les riverains, les ports, les constructeurs, les armateurs, les croisiéristes, les plaisanciers, les producteurs d'énergie, les distributeurs de carburant et naturellement les décideurs publics.
par la compréhension des différentes activités portuaires, le commerce, le tourisme, l'industrie, la logistique et de plus en plus l'environnement. Par la prise de conscience de la mixité des échelles auxquelles cela se joue, locale, française, méditerranéenne, européenne, mondiale. Par la prise de conscience de la mixité des échelles auxquelles cela se joue, je viens de le dire, excusez-moi. Enfin, par la juste connaissance des dispositifs en vigueur et à venir. Le poids des ports en matière de développement économique est indiscutable. Ils peuvent, à mon sens, peser tout autant en matière de développement durable. C'est parce que les ports, tout comme les villes, concentrent une activité importante sur un périmètre restreint qu'ils pourraient également constituer un formidable lieu d'expérimentation. Leur importance est soulignée par un récent classement qui révèle que parmi les 10 villes où il fait le mieux vivre au monde, la plupart ont un port. En ce jour, il nous est offert d'ouvrir le champ des possibles. Nous pourrions, nous acteurs réunis, comme cela a été dit, soutenir la création d'une zone d'émission contrôlée en Méditerranée, c'est-à-dire une zone qui serait réglementée avec des émissions donc limitées. Ces dispositions existent déjà en Europe et aux États-Unis. Il me semble d'ailleurs que cela coïncide parfaitement avec un objectif d'une Europe qui protège. Nous pourrions également envisager un tourisme d'excellence qui participerait à la préservation. Cela me paraît être à la fois une opportunité et une nécessité. Qui voudrait demain venir visiter un espace pollué ? Mesdames et messieurs, les solutions techniques existent. À nous de les mettre en œuvre avec courage et sens des responsabilités. Merci à AirPaca et à Qualité Air Corse, à leurs présidents et équipes respectives, de nous avoir réunis aujourd'hui et d'avoir choisi Marseille comme port d'attache. Merci à tous de votre présence, qui est une condition essentielle à la réussite de cet événement. Merci aux représentants d'Air Publica, qui, je crois, devraient être présents et permettent de toujours prolonger le périmètre de ces échanges. Merci à la presse de relayer cette mobilisation collective, transpartisane et transgénérationnelle. En conclusion, je voudrais dire que Marseille est un lieu emblématique de ces questions à travers son histoire. Les ports nous rattachent de tout temps. Il me paraît donc raisonnable de garder à l'esprit cette notion dans nos échanges d'aujourd'hui. La qualité de l'air est un enjeu de santé publique. Nous le démontrons par des mesures qui sont faites, et notamment des filtres. Si je vous montre ce filtre, c'est un filtre neutre qui n'a pas été exposé, vierge. Et si je vous montre celui-ci, c'est un filtre qui est resté une demi-heure dans un tunnel. Donc je crois que tout ça est vraiment très explicite, très visuel sur l'importance de ces enjeux. Donc, santé publique, égalité et justice sociale, des piliers de la République qui nous rassemblent aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Claire Pitola. Madame Pitola, vous avez ouvert cette série de prises de parole. Je précise aux personnes chargées de la corne de brume qu'il faut respecter les 6 minutes. Je ne m'adresse pas à vous, vous avez vu, à la corne de brume. Madame Touras, c'est à vous, vous avez beaucoup de choses à nous dire, vous voulez élargir le débat, et vous m'avez dit, moi, ce qui m'intéresserait aussi peut-être, c'est de parler de contentieux au niveau européen, parce que c'est peut-être un sujet qui peut intéresser la foule en délire. Oh, je ne sais pas, mais c'est parti, 6 minutes. Bien, bonjour à tous. Donc l'ADREAL, c'est le service déconcentré de l'État en région qui met en œuvre les politiques publiques de 2 ministères. Le ministère de la Transition écologique et solidaire, M. Hulot, et le ministère de la Cohésion des territoires, M. Mézard. Simplement pour vous dire que, du coup, à ce titre-là, nous sommes très en responsabilité de la question de la qualité de l'air, notamment dans nos grandes métropoles littorales, en PACA. Nous pilotons avec les acteurs, notamment les collectivités locales, toutes les réflexions stratégiques sur la pollution chronique, notamment à travers les plans de protection de l'atmosphère. En PACA, nous en avons 4 qui ont été élaborés entre 2012 et 2014. Ces plans vont arriver maintenant, là, nous sommes en train d'engager les diagnostics de ces plans, et nous allons, à l'issue de ces diagnostics, que nous allons faire avec les collectivités et avec les acteurs, voir si nous sommes amenés à les réviser ou pas. En tout cas, c'est un des outils majeurs de l'État et des collectivités pour avancer sur la question des pollutions chroniques.
Je vais dire un mot aussi sur les pics de pollution. Nous sommes en ce moment dans une actualité réelle, puisque nous sommes en train de travailler avec les collectivités sur des mesures nouvelles à prendre en cas de pics de pollution, notamment autour des questions de transport. Faut-il notamment envisager des mesures de restriction de transport en cas d'alerte de pollution, et notamment grâce à cette fameuse vignette critère que vous avez peut-être déjà entendu parler. Je vous invite d'ailleurs à la prendre si vous ne l'avez pas. J'en profite, vous m'excuserez, pour faire un petit appel dans ce sens-là. Si nous sommes très engagés, si l'actualité est brûlante, c'est que nous sommes menacés d'un contentieux européen à cause de la qualité de l'air en NOx et en particules fines sur nos trois grandes agglomérations de PACA, Marseille, Nice et Toulon. Donc nous sommes en ce moment très en cheville avec les élus de ces trois métropoles pour avancer sur ces questions-là. Un petit mot aussi pour dire que l'ADREAL, dans ses missions traditionnelles, c'est la police de l'environnement des industriels, de ces fameuses industries qui sont classées dites ICPE. Il y en a plus de 1100 en PACA. Et donc nous sommes leurs interlocuteurs et quotidiens quasi, à la fois pour les rappeler les règles, pour les contrôler, et puis pour instruire toutes leurs demandes de modification et vérifier leurs rejets, notamment leur rejet de l'air. On va parler aujourd'hui beaucoup de pollution des navires. Juste pour vous rappeler qu'en matière de réglementation, mais Madame la députée l'a dit, en matière de navigation, ça passe par des traités internationaux. Donc l'ADREAL n'est pas un acteur sur ces questions-là. Vous le comprendrez, on est plutôt un acteur local. On est amené évidemment à participer, et ça faisait partie du PPA, notamment sur Marseille, mais aussi sur Nice, à des actions phares qui seront développées, je pense, tout à l'heure, notamment ces fameuses questions de possibilité de branchement électrique des navires dans les ports. Mais je pense que la directrice du port et d'autres acteurs viendront dessus tout à l'heure. Moi, je voulais juste élargir un peu la focale en rappelant que si les riverains des ports sont majoritairement concernés par la pollution des navires, dès qu'on s'éloigne un peu et qu'on élargit un peu la focale, la question de la pollution, les sources de pollution sont diverses. Et vous voyez, on a mis juste des petits diagrammes qui viennent d'Air PACA d'ailleurs, qui montrent les différentes sources de pollution à des échelles métropolitaines. Ça, c'est l'échelle métropolitaine marseillaise. On voit bien que les sources de pollution des transports, vous voyez qu'ils sont en bleu, sont très fortes sur les NOx, mais aussi sur les particules, et que dans les transports, il y a les bateaux, mais pas que, il y a les transports de marchandises et les transports de voyageurs. Ce qui me permet de rappeler qu'un port, c'est un équipement très structurant pour l'économie française, mais c'est un équipement qui, par nature, génère des flux de transport terrestre. Une fois que les marchandises, elles sont arrivées dans le port, après, elles vont ailleurs. Elles sont transformées éventuellement sur place, mais en tout cas, elles sont acheminées ailleurs. Et donc, on a autour, à partir d'un port, on a du développement de transport terrestre. Et donc, nous sommes très engagés. Si on pouvait passer la diapo suivante, s'il vous plaît. C'est juste pour rappeler les grands flux qui sont générés par le port, notamment à l'échelle de Marseille. Vous avez donc les poids relatifs des flux de poids lourds, qui sont notamment des flux de poids lourds, mais pas seulement, qui sont notamment générés par le port. C'est un enjeu pour nous, c'est un enjeu pour l'ADREAL, c'est un enjeu pour l'acteur du port, c'est un enjeu pour les collectivités. Il faut absolument qu'on arrive à d'abord favoriser le report modal. Et pour ça, on a des projets d'infrastructure qui sont écrits au contrat de plan. C'est très difficile. C'est très difficile avec le ferroviaire, c'est difficile avec le fluvial, hein, et je crois qu'on aura l'occasion aussi de se bagarrer pour développer le fluvial. C'est difficile, et ça fait partie quand même de nos gros enjeux. Donc je voulais simplement rappeler qu'à ces chètes-là, nous sommes très engagés à travers nos différents outils, notamment le contrat de plan. Je rappelle aussi que des grands bassins de consommation que sont nos métropoles, ça génère de la logistique. Forcément, il y a des entreprises de logistique qui s'implantent, et ces entreprises de logistique génèrent des transports. On a des enjeux en matière de transport terrestre majeur. Je ne parle pas des transports de voyageurs. J'imagine que M. Cérus, qui interviendra tout à l'heure, aura l'occasion d'en parler aussi. Un petit mot sur les industriels. Il y a aussi des industriels qui sont attirés pour s'installer à côté du port, dans l'enceinte du port, à côté du port, parce que leur activité est directement alliée au port. Je rappelle donc qu'effectivement, on a un enjeu majeur de réglementation et de contrôle de cette réglementation auprès de ces industriels, ce que fait l'ADREAL quotidiennement. Il y a plus de 100 inspecteurs à l'ADREAL, hein, pour tout PACA, qui sont donc sur
sur pied de guerre, on pourrait dire, quasi, tous les jours, et qui font donc des instructions de dossiers et des contrôles, et qui participent d'une certaine façon de cette action de qualité de l'air. Et donc, simplement pour vous rappeler que les industriels, depuis de nombreuses années, investissent, certes sous la pression de la réglementation, hein, ils investissent assez lourdement, et on peut dire que la qualité de l'air émise par les industriels n'a cessé, depuis toutes ces années, de baisser. Et c'est très spectaculaire sur le soufre, si on peut passer la diapo suivante, notamment les émissions de SO2, là on le voit très bien, c'est en jaune sur la dernière diapo, sur ces dernières années ont baissé, si on remonte à 15 ans, on a baissé de plus de 70% les rejets. Je voulais quand même rappeler, pour vous donner Vous pouvez finir quand même. Un signe positif. Le pilote vient vous chercher pour vous amener jusqu'à à bon port. Rappelez en tout cas que de ce point de vue-là, des grosses améliorations ont été faites et que nous continuons bien sûr à mettre la pression pour continuer. Merci, merci beaucoup Madame Tourasse. Merci d'avoir. Métropole en infraction, le poids des transports de marchandises et de voyageurs, puisque quand le bateau arrive, il est une première porte pour aller ailleurs. Et puis là aussi, il faut en tenir compte, on en parlera. Et puis le contrôle de l'industrie à Vivoudi avec ces commandos de contrôleurs qui, toujours avec bienveillance, évidemment, vont opérer leur contrôle, je l'espère. Hein, parce qu'on peut faire les choses et en même temps être bienveillant. Hein. Alors, on va vous donner la parole, Madame Anne-Claudius Petit, conseillère régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur. J'imagine que la compétence économique de la région va être en toile de fond de votre intervention, puisque l'équation selon laquelle le développement économique ou la pollution, cette équation, il va bien falloir la résoudre un jour ou l'autre. Il y a un juste milieu à trouver, un équilibre à trouver. Peut-être que vous allez nous en parler, je ne sais pas. À vous, 6 minutes. Bonjour, vous ne vous êtes pas trompé. Ah. Alors, je vous prie d'excuser un peu ma voix. Le Mistral de ce week-end a eu un peu raison de moi et j'ai eu un peu la voix enrouée. Voilà, je représente aujourd'hui le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, qui aurait souhaité être là ce matin, mais n'a pas pu l'être, malheureusement. Je veux tout d'abord saluer Airpaca et Qualité Air Corse, dont l'engagement et l'excellence se concrétisent aujourd'hui à nouveau à travers l'organisation de cet événement majeur, avec le soutien de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cette journée consacrée à la qualité de l'air correspond à la vision politique portée par le président Renaud Muselier et l'ensemble de la majorité régionale. Une méthode, l'écoute et la proximité, une feuille de route, avoir une vision à 20 ans et des résultats à 3 ans, un cadre, enfin, les accords de Paris sur le climat pour faire de Provence-Alpes-Côte d'Azur la vitrine mondiale de la protection de l'environnement au service du bien-être de chacun. Je voudrais situer cette vision politique dans la stratégie régionale que notre majorité a définie dans le cadre du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité du territoire, autrement appelé SRADET, pour ceux qui connaissent tous ces acronymes, schéma qui est actuellement en cours d'élaboration. L'un des 3 enjeux transversaux que nous avons identifiés, celui qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est concilier attractivité économique et attractivité résidentielle du territoire. Or, nous l'avons dit, vous l'avez dit, Madame la députée, la qualité de l'air dégradé est le premier sujet de préoccupation environnementale des habitants de Provence-Alpes-Côte d'Azur. 900 000 personnes, soit presque 20% de notre population régionale, seraient exposées à au moins un dépassement des normes de qualité de l'air. Et l'exposition chronique à la pollution particulière de la population des 6 agglomérations, que sont Aix, Avignon, Cannes, Marseille, Nice et Toulon, causerait 2500 décès précoces annuels. Dans ce contexte, la majorité régionale souhaite s'inscrire dans une stratégie de diminution de la pollution de l'air et réduire l'exposition de nos concitoyens aux maladies spécifiques de la pollution de l'air comme l'asthme, les allergies respiratoires, les cancers pulmonaires et les maladies cardiovasculaires. Voilà pourquoi j'ai voté le 7 juillet dernier, aux côtés de Renaud Muselier et de sa majorité régionale, la stratégie régionale pour l'air. Et parallèlement, l'industrie navale et maritime fait partie des 12 opérations d'intérêt régional qui constitue la base de notre politique économique, puisque vous l'avez dit, Monsieur Olmeta, effectivement, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a cette compétence de développement économique. Notre politique économique, elle est axée sur la croissance et l'emploi, car depuis le début de notre mandat, nous nous sommes fixés une ambition, gagner la bataille de l'emploi. Le schéma régional dont j'ai parlé tout à l'heure nous permet d'aller plus loin,
de donner une vision à 20 ans. Un urbanisme et un aménagement durable du territoire, le respect de l'environnement et la protection de la biodiversité, une consommation plus économe de nos ressources et de notre foncier, des énergies renouvelables produites sur le territoire. Dans le monde économique, on parle de plus en plus de RSE, responsabilité sociétale des entreprises, et le lien entre la RSE et les performances économiques des entreprises qui la mettent en œuvre est de plus en plus démontré. La démarche que nous souhaitons mettre en œuvre à la région, au sein de la vision politique que j'ai expliquée tout à l'heure, cette démarche pourrait s'appeler la RST, responsabilité sociétale des territoires. Et c'est pour nous un facteur à la fois d'attractivité et de performance économique. Il nous semble d'ailleurs que le développement des ports de Provence-Alpes-Côte d'Azur dépendra de leur capacité à aborder les impacts défavorables de leurs activités sur l'environnement, et en particulier sur la qualité de l'air qui nous réunit aujourd'hui. Mais cela ne pourra pas se faire sans l'accompagnement de la région, nous en sommes parfaitement conscients, que ce soit dans les choix énergétiques ou pour le raccordement des navires à quai, par exemple, que vous avez évoqué, Madame Touras. Pour terminer, je voudrais citer l'événement qui est organisé le 21 novembre prochain, à l'initiative du président Renaud Muselier. En effet, nous accueillerons à Marseille, avec son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, et Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, des invités de marque venus de toute la Méditerranée pour penser l'avenir de l'espace méditerranéen. Méditerranée du futur sera un moment fort, 2 ans après les accords de Paris et 3 semaines avant le sommet sur le climat convoqué par le président de la République. Nous construirons, en tout cas nous l'espérons et nous le souhaitons vivement, avec nos partenaires économiques, associatifs, diplomatiques, des engagements forts sur le plan environnemental, avec un plan, un volet ambitieux pour notre région qui doit être exemplaire et montrer le chemin. Pour conclure, j'ai noté, comme Madame la députée, que le classement mondial des villes où il fait bon vivre en 2017 fait apparaître dans son top 10 une majorité de villes qui ont un port. Voilà l'ambition qui est la nôtre et que nous souhaitons partager le plus largement possible. C'est pour ça que je suis heureuse d'être ici aujourd'hui pour représenter la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Au sein de la commission environnement, mer et forêt, nous portons ces questions d'amélioration et de protection de la qualité de l'air. L'événement qu'il a aujourd'hui nous permet de nous rassembler, acteurs économiques, associatifs, élus, qu'ils soient nationaux, régionaux, métropolitains et locaux. J'ai vu quelques élus des arrondissements de Marseille, peut-être qu'il y a également des élus d'Avignon, de Toulon, de Nice. Je les salue également. Et merci également aux élus et aux représentants de la Corse d'être là. Je pense que pour arriver à un résultat qui est ambitieux, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, nous avons du retard en Méditerranée, il faut se mettre tous autour de la table pour avancer, trouver les solutions, parce que finalement, c'est souvent juste en se rencontrant qu'on trouve les clés et qu'on débloque des situations qui sont bloquées, qui nous empêchaient d'avancer, parce qu'aujourd'hui, la population, elle ne peut plus supporter la situation actuelle qui pèse sur la santé des habitants. On entendra tout à l'heure la représentante des CIQ des quartiers nord de Marseille à ce sujet. Je vous remercie. Merci mille fois, Anne-Claudius Petit. Merci beaucoup. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous exprimer sur le hashtag qui a été donné tout à l'heure, diffusé tout à l'heure, et que vous aurez la possibilité d'interpeller ces dames qui m'entourent à la fin de la dernière intervention, qui est celle de Madame Giovannini, qui nous fait le plaisir de rejoindre son pupitre et qui va nous dire que cette préoccupation de la qualité de l'air liée à la pollution maritime est une vraie préoccupation, que des choses sont faites, que des chartes sont en réflexion dans cette île où au moins 6 ports sont concernés. C'est parti, 6 minutes. Tout à fait, merci monsieur l'animateur, madame et monsieur le député, madame la conseillère régionale, mesdames et messieurs les élus, messieurs les présidents d'ERPACA et de Qualité Air Corse. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. La COP23 s'est ouverte hier à Bonn avec une mauvaise nouvelle en annonçant une année record en 2016 concernant les émissions de gaz à effet de serre. Nous devons malheureusement constater l'échec pour l'heure des nations devant le phénomène des dérèglements climatiques et nous avançons beaucoup trop lentement et insuffisamment vers nos objectifs de réduction des émissions polluantes. Du fait du besoin de protéger leur population et du fait de la connaissance de leur territoire, je suis persuadée que les régions peuvent faire plus et mieux, car elles sont plus motivées.
Leur contribution à la lutte contre le réchauffement climatique peut être capitale, en prenant des initiatives, en les confrontant, comme nous le faisons aujourd'hui, et en agissant ensemble. C'est pourquoi je vous remercie de cette invitation à débattre, Monsieur le Président d'ERPACA, sur la question de la qualité de l'air dans les ports. C'est une préoccupation dont se soucie beaucoup la collectivité territoriale de Corse. La Corse a le plus important trafic portuaire passager de France, et la Méditerranée, notre berceau, supporte des milliers de navires de commerce transportant des milliards de tonnes de marchandises chaque année. L'agence que je préside a élaboré le schéma régional climat air énergie pour la collectivité territoriale qui vise à l'autonomie énergétique à l'horizon 2050 et toutes sortes de mesures y sont envisagées, notamment en faveur de la qualité de l'air. L'Assemblée de Corse a adopté à l'unanimité le 26 octobre dernier un rapport que je présentais qui vise à renforcer notre politique sur la qualité de l'air extérieur et intérieur en établissant un programme d'action pour intégrer avec davantage d'efficience la qualité de l'air dans la traduction de nos politiques publiques. Parmi les mesures préconisées concernant plus particulièrement le sujet qui nous occupe et sur lequel je veux attirer votre attention, il est indispensable qu'une zone CECA, NECA soit acquise pour Mare Nostrum, à l'instar des statuts particuliers CECA et NECA dont bénéficient la Manche, la mer du Nord, la Baltique et la zone USA-Canada, pour réduire les émissions d'azote et de soufre en Méditerranée. Le président du Conseil exécutif de Corse, en sa qualité de président de la Commission des îles de la CRPM, Conférence des régions périphériques maritimes, s'est saisi de cette question afin de mener une large concertation avec ces territoires et d'appuyer le dossier de candidature qui sera déposé à l'Organisation maritime internationale courant 2018. Cette mesure est envisagée dans le plan bleu de la Méditerranée et elle est soutenue par l'Union européenne. Nous avons besoin de peser ensemble régions et pays de la façade méditerranéenne pour faire aboutir cette demande. Pour les élus de la Corse, mais aussi pour le monde associatif, dont je salue l'implication, ici, bien sûr, en Corse aussi, et je sais que l'association Arialine est dans la salle, il s'agit d'une action phare pour réduire la pollution portuaire et préserver la santé de nos concitoyens. De même, l'agence que je préside, l'AUE, en collaboration étroite avec l'Office des transports de la Corse et l'Office de l'environnement de la Corse, œuvre à l'élaboration avec les compagnies maritimes d'une charte d'engagement pour la prévention et la réduction des émissions atmosphériques et sonores sur l'ensemble des ports de commerce de l'île. Plusieurs engagements sont pris. Je ne peux pas malheureusement tous les énumérer, mais je vais essayer de très brièvement de le dire. Prévoir annuellement une campagne complémentaire de mesure de la qualité de l'air afin de suivre l'évolution des paramètres les plus sensibles, PM10, PM2.5, et vérifier la déclaration annuelle des émissions de CO2 pour chaque navire. C'est une obligation faite d'ailleurs aux compagnies par l'OMI. Qualitaire Corse édicte des protocoles pour démarrer ses études et d'amélioration des connaissances courant 2018. Modulation des taxes portuaires par la CTC, donc la collectivité territoriale, et les compagnies et les chambres de commerce et d'industrie en fonction des performances environnementales des navires pour tous les ports, à l'instar du programme international ESI, dans le cadre du renouvellement ou par avenant des contrats de concession. Je dois dire qu'on travaille avec les représentants des CCI Haute-Corse et Corse du Sud sur ces sujets. Renouvellement des flottes encadrées par des critères environnementaux de toutes actions permettant d'atteindre les standards les plus élevés d'Europe concernant l'ensemble de l'espace portuaire. Raccordement des bateaux à quai. Une hypothèse a été prise dans la programmation pluriannuelle de l'énergie de Corse pour intégrer une évolution réglementaire demandant aux bateaux de se raccorder au système électrique pendant leurs escales. Les ferries seront principalement concernées étant donné la diversité de la nature des besoins et des normes techniques. Des navires de croisière, des postes de raccordement à quai sont prévus d'ici 2030 dans les ports, dans le cadre de l'arrivée du gaz naturel prévu à la programmation pluriannuelle de l'énergie à l'horizon 2023. Car il ne s'agit pas simplement de déplacer la pollution, mais de lutter contre cette pollution. Étudier aussi avec les différents acteurs publics et privés les possibilités d'approvisionnement, de stockage, d'utilisation et de développement en Corse de nouveaux combustibles, GNL, méthanol, hydrogène. Deux études sont en cours, une étude de faisabilité sur la mise en œuvre d'une filière maritime de soutage GNL en Corse et une analyse de la faisabilité de la propulsion en GNL des navires de la DSP, délégation de services publics Corse-Continent.
L'Assemblée de Corse a aussi validé en septembre dernier la constitution d'une commission ad hoc sur la mise en place d'un système de valorisation de l'énergie thermique en mer, sur les navires de continuité territoriale et dans les ports de commerce de Corse. C'est un projet innovant, appelé Hydromarithermie, qui attise notre intérêt. Dans le domaine du bâtiment, où il est actuellement testé avec le soutien de la collectivité territoriale, ou dans les ports, pour servir à l'alimentation des navires, en jouant sur le potentiel énergétique des différences de température à la surface et à la profondeur de l'eau. D'autres mesures sont mises en œuvre, et voilà, c'est ça, d'autres mesures sont mises en œuvre, concessions, DSP, etc. J'abrège. Nous avons un conseil énergétique qui est en place et qui permet de rassembler tous les acteurs pour débattre de toutes ces questions, ajuster les mesures que nous prenons et être encore plus offensive demain. Voilà, vous avez compris, c'est très important. Et moi, ce que je souhaite, c'est que, ici, les acteurs qui sont présents en Corse et partout, nous puissions travailler à l'échelle régionale de manière beaucoup plus offensive. Je vous remercie. Merci mille fois. Fabiana Giovannini. Merci beaucoup. Alors, on va d'abord se tourner vers Twitter pour savoir si vous avez des questions qui vous sont parvenues et qui pourraient être posées à nos intervenantes. Avez-vous un micro pour vous exprimer ou pour les lire? Ça serait le plus simple, comme à SVP, vous savez, à l'époque. Alors, on me fait passer des petits papiers. Je pense que... Alors, est-ce que je vais arriver à lire? Pourquoi n'existe-t-il pas de dispositif de mesure comparable au dispositif parisien à Marseille? Question à Madame Touras. Pourquoi à parisien à Marseille? Est-ce qu'on a un micro? Merci beaucoup. Alors, Madame Touras, est-ce que... Si c'est sur la circulation... Oui, donc j'ai évoqué tout à l'heure la question que des pics de pollution. C'est vrai que vous savez que récemment, on a changé le thermomètre, c'est-à-dire que le moment où on peut déclencher les phases d'alerte va changer. On devrait en avoir plus que dans le passé, des périodes d'alerte pollution dans nos grandes agglomérations, en PACA. Et associé à ces phénomènes de pics de pollution qui vont être déclenchés plus souvent, on a souhaité travailler sur la question, effectivement, de revoir avec les élus la question des éventuelles limitations de circulation. Alors, je ne sais pas si c'est à ça que vous faites référence, qui sont effectivement mises en place à Paris, qui permettent, quand on est en alerte, de mettre en place des circulations qui interdisent aux voitures les plus polluantes de circuler dans un périmètre donné. Mmh. Alors à Paris, c'est assez simple, parce qu'il y a un périphérique. Donc on peut dire il y a l'intérieur du périphérique et on peut mettre en place un contrôle, entre guillemets, de circulation des voitures. Dans nos agglomérations, c'est un peu plus compliqué, parce qu'on n'a pas partout des périphériques. Donc il faut travailler sur les périmètres. Il faut travailler avec les élus pour voir jusqu'où c'est faisable et efficace, surtout. Et puis, il faut aussi s'assurer qu'on puisse le contrôler. Donc, ça fait partie des questions qu'on voit avec la police, pour voir si on peut contrôler ces mesures. Contrôlons. Mais nous sommes en train d'y travailler. Contrôlons et effectivement, aussi... c'est rendu possible par la fameuse vignette critère que vous pouvez demander donc, sur un site internet très facilement pour vos véhicules. Et j'insiste, si vous êtes des institutionnels, il faut les demander pour vos poules de véhicules institutionnels, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Donc nous, à l'Adréal, évidemment, on l'a fait tout de suite, mais j'insiste pour que tout le monde le fasse. Il faut demander sa vignette de façon à ce que le jour où ça se met en place, on puisse effectivement être opérationnel. Bien, je vous remercie. Je me permets simplement d'outrepasser mon rôle. Si vous pouvez relayer des questions qui sont directement en lien avec la thématique de la pollution des ports, ça serait quand même pas mal. Je vais vous passer la parole, évidemment, à moins que vous ayez d'autres fulgurances exprimées sur le tweet. Je vous vois vous affairer, mais personne ne s'adresse à moi. Pour l'instant, non. Avez-vous dans la salle une ou deux questions à poser? Parce qu'après, je voudrais donner la parole à Monsieur Hamada, qui est ici et qui a une information à nous faire passer. Monsieur, on va vous faire passer un micro. S'il vous plaît, question rapide. Et ici, à la tribune, les dames s'engagent à avoir des réponses aussi rapides. Allez-y. Bonjour, docteur Lefebvre, Association Santé Environnement France. Je voudrais juste poser dans quelle mesure le raccordement électrique pendant les escales, qui semble-t-il n'est utilisé à Marseille que par la méridionale, dans quelle mesure il est obligatoire et contraignant? Ou est-ce que c'est chacun fait ce qu'il veut?
Alors, cette question est passionnante. Elle est juste un peu décalée, puisque on va demander à Mme Cabot, mais elle va venir juste après. Donc, c'est un peu devancer l'appel. Est-ce que vous voulez faire passer un micro à Mme Cabot? Elle nous répondra à ça, déjà, mais après, elle va y revenir. Hein. Donc, Mme Cabot, s'il vous plaît. Bonjour, Christine Cabot-Vrel, je suis la directrice du port de Marseille. On va en parler tout à l'heure, mais le raccordement électrique des navires à quai n'est pas obligatoire. Et ce qui est fait aujourd'hui à Marseille est une mesure pionnière d'avance sur la réglementation que nous avons mise en place avec la Méridionale. Voilà. Merci. On y revient tout à l'heure, promis. Monsieur le député Yamada, député de la 7e circonscription, il est garé au premier rang. Et vous êtes intervenu, monsieur le député, auprès de la ministre et sur cette question du gaz naturel liquéfié. Et vous voulez nous dire qu'apparemment, votre propos a eu un écho, a trouvé un écho. Ben, je l'espère, en tout cas, on attend. Alors, vous avez deux minutes pour le faire, monsieur. Comme à l'Assemblée, question au gouvernement. Deux après, minutes. Ça sonne. Bon, j'ai un peu l'habitude. Donc, rapidement, moi, j'ai choisi d'être rapporteur spécial des affaires maritimes, parce que je suis élu sur un secteur particulier, parce que le grand port maritime de Marseille est majoritairement implanté sur ce secteur-là. Et pour une raison relativement simple, et que vous connaissez, c'est pour la raison pour laquelle vous êtes là, c'est que la pollution maritime est quelque chose qui impacte fortement ces territoires. Moi, d'abord, le premier constat que je peux faire, c'est que tout le monde a compris qu'il fallait aller vers quelque chose de plus sain. Les armateurs, le grand port, l'État. Maintenant, moi, mon inquiétude, c'est comment faire en sorte que ça aille beaucoup plus vite. Parce que les personnes qui y habitent aujourd'hui en souffrent, et en souffrent au quotidien aujourd'hui. Donc je salue d'ailleurs la décision de CMA-CGM, comme j'ai fait à l'Assemblée, de se doter de navires au GNL. Moi, ce que j'ai demandé au ministre lorsque je l'ai eu, c'est qu'elle inscrive au CIMER, donc de novembre prochain, de novembre de la semaine prochaine. Comité interministériel à la mer. Donc, la possibilité pour l'État d'inciter plus fortement les armateurs à se doter en navires fonctionnant au GNL, puisque c'est la solution qui, à moyen terme, permettra de résoudre évidemment l'émission de soufre, mais surtout les particules fines, ce qui aujourd'hui n'est pas résolu à court terme avec les moyens existants. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage, monsieur Hamada, qui est venu sans amis, puisque personne ne l'a applaudi. C'est la dure vie des parlementaires. Monsieur, une question rapide. Oui, Victor Hugo Espinosa, président de l'association Les Rémois. Je voulais juste poser une question quand même importante, je pense. Ah. Aujourd'hui, on a 1800 emplois qui sont liés. Il y a 320 millions d'euros qui sont... quelque chose d'économique pour Marseille assez important. Donc la question, pour une part, vous avez l'économie. Pour autre part, on a l'effet sanitaire qu'il y a 9 millions de morts prématurées dans le monde. On a dit des autres chiffres aussi. La question, il est, quel va être le juste équilibre? Parce que de temps en temps, je vois qu'il y a le problème du chantage à l'emploi. Des bateaux qui disent on va aller ailleurs parce que c'est moins, il y a moins d'interdits. Donc tout ça, je pense qu'il faudrait bien une bonne réglementation des lois internationales et des lois peut-être comme a fait Venise, par exemple, comme ils ont fait en Italie, interdire carrément les bateaux qui sont trop polluants, sans loi, mais ça peut être intéressant parce que comme ça, les gens ils vont dire, c'est là qu'il faut aller passer ses vacances parce que l'air est pur. Est-ce que quelqu'un veut répondre à M. Victor Hugo Espinosa? Sur l'aspect législatif, effectivement, nous devons travailler à poser des règles justes pour que la concurrence soit juste et acceptée par tous. Donc c'est effectivement des questions qu'il faut aborder, il faut les réfléchir de façon commune, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes présents différents élus, que ce soit effectivement nationaux, locaux, parce qu'il s'agit bien à chaque fois de mesurer les différents enjeux et de pouvoir faire des règles justes. Il ne faut pas effectivement opposer économie et développement durable, je crois qu'il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira, pour ne pas avoir ce chantage à l'emploi et ce chantage aux bénéfices, aux chiffres d'affaires. Voilà. Bien, oui, encore une petite réflexion, même si bon, ça c'est facile à dire, mais c'est compliqué à faire, hein, visiblement. Oui, mais pour rebondir, je pense que c'est exactement ce que nous souhaitons faire au travers du schéma régional d'aménagement, développement durable et d'égalité de territoire. Quand on parle de stratégie économique, nous le souhaitons qu'elle soit, que cette stratégie, que ce développement économique soit compatible et tiennent compte de tous ces impacts environnementaux. C'est pour nous une évidence quand le président Renaud Muselier dit qu'il souhaite que la région Provençale-Côte d'Azur soit
une vitrine des accords de Paris. Il ne dit pas qu'on va devenir une bulle pour protéger l'environnement. Il dit qu'on va continuer à développer nos villes, nos activités économiques, tout en protégeant l'environnement, la santé de nos concitoyens. Les deux doivent être liés. Et en même temps, mais c'est ce que disait voilà, Monsieur Spinoza. Et en même temps, exactement. Et pour, juste pour terminer, parce qu'effectivement, il y a une dimension internationale dans, comme vous le disiez, quand les ports viennent en compétition les uns avec les autres, il y a une dimension européenne aussi. Et c'est vrai que nous, en Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous avons un bureau à Bruxelles et nous sommes aussi en dialogue avec la Commission européenne sur ces problématiques, parce qu'effectivement, il ne faudrait pas que nos ports, les ports français de Méditerranée, soient défavorisés parce qu'ils ont pris une orientation ou une autre. Mmh. En même temps, j'ai envie de dire, si on regarde au niveau international, il y a des ports de très grande envergure qui ont pris des mesures, en avance dans ce qui domaine-là. Sont en avance, et pour autant, leur activité ne s'est pas arrêtée. Donc, voilà, donc c'est possible. Possible, et je pense même que c'est différenciant. C'est possible. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous parliez tout à l'heure de contrôle des voies. Là, on parlait des véhicules terrestres. Est-ce que M. Rousseau est ici parmi nous? Il est là, M. Rousseau. Parce que vous êtes en charge du contrôle des navires à la direction des affaires maritimes. Est-ce qu'il est logique de m'adresser à vous pour savoir si ce contrôle est fait? Est-ce que vous pouvez en deux minutes nous répondre, logique, monsieur? Parce qu'effectivement, le centre de sécurité des navires... Si vous parlez dans le micro bien près, ça sera mieux. Alors, plus près. Voilà. Un bonheur. Donc, tout à fait logique, puisque c'est le centre de sécurité des navires PACA Corse qui assure le contrôle des navires dans le cadre des contrôles, c'est-à-dire pollution. Aujourd'hui, le centre de sécurité s'occupe essentiellement de contrôle de sécurité à bord des navires, mais a aussi une focale depuis 2006 à peu près, sur le contrôle de pollution, notamment par l'air. Donc à ce jour, on a des obligations qui sont liées au contrôle européen, enfin aux exigences européennes, notamment la directive initialement 89-32 qui s'est traduite par une 2016-802 aujourd'hui, et qui impose à ce que les navires soient contrôlés sur les normes SOX et NOX. Et sur les NOx. Le sont-ils vraiment? Le sont parfaitement. Aujourd'hui, on a des objectifs, c'est-à-dire que c'est 10% des navires en escale qui doivent être contrôlés nationalement. On a aujourd'hui, ne serait-ce que pour la région PACA Corse, c'est l'obligation de 189 navires qui doivent être contrôlés d'un point de vue documentaire et d'environ 50 navires qui doivent être contrôlés avec des prélèvements. Donc ces prélèvements, ce sont des analyses de combustible qui sont extraites des soutes ou des moteurs pour assurer la conformité par rapport aux exigences de cette directive européenne. Et qu'est-ce qu'il ressort de ces contrôles? Ce qui ressort de ces contrôles, c'est qu'aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on assure pleinement cette exigence, même si elle a commencé, je vous le dis, depuis 2006. Alors, effectivement, ces contrôles, ils sont plutôt discrets. On ne communique pas spécialement dessus. Peut-être est-ce un tort. Mais globalement, les contrôles sont satisfaisants, puisqu'on se retrouve aujourd'hui, si on prend l'année 2017, à avoir 6 cas sur les 50 prélèvements qui auront été réalisés, 6 cas de léger écart et eux, seulement 2 qui conduisent à une infraction. Infraction qui est ensuite transmise au service pour le suivi pénal et pour au parquet et pour lequel on en attente après des poursuites. Là-dessus, les poursuites en termes pénal vont jusqu'à 200 000 euros pour le commandant ou la compagnie qui serait non conforme. Contrevenante. Merci mille fois de cet éclairage, monsieur Rousseau. Merci beaucoup. Monsieur Lafitte doit être également dans la salle, quelque part. Non, il y avait une question? Madame, allez-y, je vous en prie. Vous parlez de contrôle, mais j'ai l'impression que ça doit être un peu sélectif. Moi, je vais parler de la pollution entre le Mucem et le Silo. Les riverains, les commerces, les touristes ont vécu un enfer cet été. Les bateaux les plus polluants sont connus. Algérie Ferry, Corsica Linea. J'aimerais savoir si 2018 va nous faire subir la même chose. Certains jours de l'année, nous avons dû vivre fenêtres fermées. Une autre pollution s'ajoute à cette pollution de l'air, c'est la pollution sonore. Des bateaux, nuit et jour, ont les moteurs qui tournent et nous sommes obligés de vivre les fenêtres fermées. Merci. Merci de ce témoignage. Je suis... Difficile. Alors, je vais me présenter. Je suis Renée Duprat, la République en marche. Merci beaucoup, madame. Je ne sais pas si à cette tribune quelqu'un peut répondre. Oui, madame.
On peut juste réagir en disant que je pense que ce thème sera abordé ensuite avec le grand port maritime. Et je crois qu'il y a des représentants de la méridionale qui n'a pas été cité, comme vous le disiez, puisque eux ont prévu et sont pilotes, ils sont en raccordement électrique et on les en remercie puisqu'ils ne participent pas à la pollution dont vous parliez. Monsieur Reverchon boit du petit lait au troisième rang. Il faut bien le dire et en même temps, on sait que voilà, il faut qu'il y ait des acteurs qui avancent et on espère bien que ça fera avancer les autres. On continue. Bien. Madame Giovannini. Pour dire que dans le cadre justement de la charte d'engagement que nous faisons signer aux compagnies, puisque vous avez cité des compagnies, notamment Corsica Line, eh bien, nous travaillons sur ces questions-là pour qu'ils prennent un certain nombre de dispositions, à la fois pour leurs émissions de fumée, dans la gestion par exemple des horaires d'arrivée au port, etc., dans les filtres, dans le travail aussi sur le changement de combustible. Voilà, nous y travaillons et c'est vrai que c'est pour vivre à Bastia, je sais que c'est quelque chose d'insupportable. De pénible. Mais madame, le port est dans la ville. Je m'engage à relayer votre témoignage dans la table ronde qui suit, puisque nous aurons l'occasion d'avoir des personnes qui, peut-être plus techniquement, pourront vous répondre aussi. On reste sur la problématique qui est la nôtre ici. Vous voulez répondre, allez-y. Alors, je voudrais vous répondre, Madame Pélissiot, représentant les comités d'intérêt de quartier, des quartiers Saint-André, Mouropiane, enfin, toute la Calade. Donc, je vais vous rassurer, Madame, ils vont être déplacés, ces bateaux, et ils viennent à Cap-Janet. Alors, comme ça, ils sont plus près de chez nous. Voilà, vous n'aurez plus les fumées. Merci. Voilà. Il y avait une pointe d'amertume, de soufre, j'allais dire, dans votre témoignage. On vous comprend. Attendez. Je voulais donner la parole, si vous le voulez bien, à M. Laffitte, qui est chargé de mission en gestion intégrée des zones côtières, réglementation européenne, au plan bleu. Est-ce qu'il est là, M. Laffitte? Il est là. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments d'information sur la réglementation européenne? Est-ce que ça vous dit... Ça continuerait bien notre premier propos ici, s'il vous plaît. Alors, tout d'abord, moi, je voudrais vous remercier d'être pour l'invitation, pour être ici. Alors moi, je ne vais pas spécialement parler de la réglementation européenne, mais plutôt de la réglementation méditerranéenne. Voilà. Alors moi, je travaille pour le Plan Bleu, qui est un centre d'activité régionale du Plan d'action pour la Méditerranée. Et nous sommes un centre d'activité régionale, et nous travaillons dans le cadre de la Convention de Barcelone. Or donc ? Donc, la Convention de Barcelone est structurée en fonction de certains protocoles. Et l'objectif, c'est d'améliorer l'environnement en Méditerranée. Alors, nous n'avons pas travaillé spécifiquement sur la qualité de l'air, mais nous avons travaillé sur le transport maritime en 2010 et sur les perspectives à 2025. Et depuis cette année, nous sommes membres d'un consortium, d'une étude commanditée par la France, pour travailler sur la possibilité de la définition d'une zone d'émission de contrôle par les navires. Et vous en êtes où? Vous pensez que c'est possible ou pas là? Parce qu'on entend ça à plusieurs reprises, mais... Alors, vous en êtes où là? C'est... Je vois une collègue dans la salle, membre de l'INERIS, qui pilote cette étude et qui nous en dira probablement plus de choses par la suite. Ce que je voulais vous dire, c'est que le plan bleu, de par son statut, facilitera le relais avec les autres acteurs méditerranéens compétents sur le sujet, tels que le REMPEC, qui est également un centre d'activité régionale du plan d'action pour la Méditerranée, et surtout un centre régional de l'OMI. Donc à ce stade, nous avons commencé les réflexions, et voilà, ma collègue pourra en dire davantage. Vous réfléchissez. Vous réfléchissez, mais beaucoup. Vous y êtes, en tout cas, vous êtes mobilisé. Merci beaucoup. Laurence Roule, c'est à elle que vous faisiez allusion ou pas? Elle est là, Madame Roule? Oui. Elle représente l'INERI, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, responsable du pôle modélisation environnementale et décision à la direction des risques chroniques. Dis donc, le dernier qui sort ferme la porte. Alors, en un mot... c'est très compliqué, vos histoires. Vous pouvez nous éclairer sur ce que monsieur a lancé comme ça? Oui, alors allez-y. Merci beaucoup de me donner l'opportunité d'expliquer en deux mots donc cette étude qui est lancée pour la mise en place d'une zone ECA,
donc pour Emission Control Area, ou zone à bas niveau d'émission, sur la Méditerranée. Donc une zone dont Madame Giovannini, à laquelle elle a fait allusion, et a soutenu fortement cette initiative. Donc en effet, les travaux sont engagés pour étudier la faisabilité et l'impact de la mise en place d'une telle zone sur la qualité de l'air, tout en prenant en compte les contraintes technologiques et économiques. Car en effet, il y a des contraintes économiques à prendre en compte dans toute analyse coût-bénéfice. Donc il s'agit bien de l'objet de l'étude, de ce projet, qui réunit un consortium de 4 partenaires. Donc l'INERIS coordonne, mais participe également le CITEPA, qui est le Centre interprofessionnel et technique sur l'étude de la pollution atmosphérique, le CEREMA, et donc le Plan Bleu. Et donc notre mission va être de mettre en œuvre un certain nombre de travaux pour estimer les émissions, de travaux de simulation numérique pour après estimer l'impact de ces émissions sur la qualité de l'air, sur les concentrations d'ozone, sur les concentrations de particules, sur toute la zone méditerranéenne, et après de faire une étude coût-bénéfice pour mettre en balance le coût de la réduction des émissions que pourrait induire donc la mise en place de ces zones CK et NK, par exemple par l'utilisation de carburant, de combustible à basse teneur en soufre, par l'utilisation par les bateaux de moteurs plus efficaces. Et donc l'idée est de mettre en balance les coûts et les bénéfices pour la santé et pour l'environnement. Ça doit être très compliqué à modéliser tout ça. Les premiers résultats espérés seront à quel horizon ? Alors, pour mars, il y aura de premiers résultats, mars 2018, et après tout va s'accélérer. Les résultats doivent être présentés au ministère en septembre 2018, dans l'optique d'une présentation d'un dossier, de la consolidation d'un dossier pour l'Organisation maritime internationale au titre de la convention MARPOL, en effet. Merci beaucoup. Donc c'est bien l'objectif et le calendrier. Merci mille fois de la clarté de vos explications, Madame Laurence Roule. Merci beaucoup. Alors, ce que je vous propose, parce que vous avez beaucoup de questions à poser, mais on va avoir toute la journée pour le faire, c'est de basculer sur la deuxième séquence et de remercier les 4 intervenantes qui nous ont accompagnés dans cette première partie. Merci mille fois, mesdames. Et attendez. Non, attendez. Attendez, asseyez-vous. Je vous en prie. Alors, je pense que vous exagérez. Attendez. Cher ami. Cher monsieur. Moi, en même temps, j'ai envie de faire preuve de bienveillance. Je m'en vais vous donner avec un grand plaisir le micro que vous réclamez. Merci avec, beaucoup. Avec tellement de courtoisie et de gentillesse. Voilà. Je vous en prie. Bien. J'ai entendu toutes ces personnes. D'abord, je voulais déjà remercier les élus corses. Et les responsables, le responsable d'AirPAC Corse, qui parle d'Air Calife Corse, qui parle d'urgence. Parce que bon, vous dites que vous allez faire des mesures. Je suis entièrement d'accord. Mais il me semble que quelque part, les scientifiques anglo-saxons les ont déjà faites sur leurs côtes. Et que les États-Unis, dès 1995, ont imposé le fuel à 0,1% sur leurs côtes sans que leur économie maritime ne s'effondre. Qu'actuellement, sur la Manche, la Baltique et la mer du Nord, l'Allemagne a imposé le 0,1% à tous les autres pays qui ont accepté, y compris les Anglais et les Russes, qui, Dieu sait, sont des gens qui sont un peu récalcitrants sur l'environnement. Donc, en Méditerranée, et je regrette un peu qu'il n'y ait pas de représentant de la Commission européenne, ni de l'État ici. Arrêtez de regretter. Monsieur, attendez. Ah d'accord, ok. Cher on monsieur, en parlera. Monsieur, mais attendez. Nous, associations, nous réclamons immédiatement le 0,1%. Pour l'instant, et un alignement sur ce qui se passe en mer Baltique, en mer du Nord et dans la Manche. Raison simple, il y a deux sortes de citoyens, donc. Il y aurait des citoyens européens et français qui bordent la mer du Nord, la Baltique et la Manche, et puis les citoyens français qui vivent le long des côtes méditerranéennes, et puis bon, parlons aussi des Italiens, des Espagnols. Donc, il y a une séparation qui est illégale. Voilà. Merci. Ah, vous voyez, c'était pas la peine de s'énerver. On y arrive.
C'était là qu'il fallait lire. Vous avez raison. Bravo. On va applaudir monsieur. Tiens, on va refaire. Voilà. Attendez. On va. Je veux simplement vous mettre en garde par rapport à quelque chose. Hein. Nous avons tout un programme. Si chacun d'entre vous s'empare du micro pour parler pendant un quart d'heure, c'est Ben Hur, c'est Guerre et Paix, tome 2. Hein. Donc on finit demain soir. Donc moi, je suis le maître de cérémonie. Et c'est à partir de maintenant, si vous en acceptez l'idée, si vous ne l'acceptez pas, ça va être compliqué, c'est un peu moi qui vais décider. Donc, s'il vous plaît, moi, ce qui m'intéresserait, c'est que madame nous dise si réellement on a tort, on est vraiment en retard. Madame, au lieu de discuter avec votre voisin, expliquez-nous, on va vous donner un micro. Est-ce que vous auriez dû faire cette étude bien plus tôt, même si en 1995, vous n'étiez peut-être pas né. On le voit bien. Alors, allez-y. Alors, quelques éléments de réponse. Oui, alors on aurait peut-être dû faire cette étude bien plus tôt. Il n'empêche qu'elle est lancée. Elle est lancée avec un certain degré d'ambition. Comme je disais, il y a les deux polluants qui sont visés, pas seulement les dioxydes de soufre et les oxydes de soufre comme en mer du Nord-Baltique, mais également les oxydes d'azote qui auront un effet très important sur l'ozone. Et on sait que la Méditerranée est particulièrement exposée au niveau d'ozone, donc c'est extrêmement important pour la région que l'on prenne ça en compte, de la même façon pour les particules. Et c'est une étude qui sera alignée sur un certain nombre d'initiatives. Donc la Commission européenne va peut-être parler des travaux qui sont menés sur le sujet au niveau de toutes les mers. Je ne pense pas qu'on ait énormément de retard. On va arriver à des résultats convaincants. De toute façon, on rentre dans un cadre de soumission de dossiers à l'OMI. Il faut faire cette. Et les choses s'accélèrent, avez-vous dit. Merci, madame. Merci beaucoup. Bien, alors je vous remercie tout à l'heure de votre intervention. Donc, monsieur, c'est très bien. Bah, vous faites un teasing, mais très bien. Mesdames, merci beaucoup. Et je vous demanderai d'accueillir Christine Cabot, Frédéric Pradel et Gilles Marcel, s'il vous plaît. Installez-vous, je vous en prie.